There's a menu, Facebook page, on my channel, said, okay, we need money, but I'm not going to get enough. We need to see that, not yet. Ils seront opposés à l'équipe de Saint-Rubat avec Jacques Chalissin, Fabien Lecoir, Alex Chéra, Fred Marsens. Aujourd'hui, on va retrouver l'équipe de Jeux Bleus, Jean-Michel Lafayette, Guillaume Clément, Renaud Chouvin, Sébastien Mirac, Fred Pierrot et Patrick Fier. Opposé donc, ça va être la bonne Sarvalex avec Philippe, Nicolas et Guillaume avec Rochelien Moulin, Frédéric Gonzalez, Michel Tassa. Retour au pôle sportif Chazélois pour les troisièmes parties de groupe, partie décisive sur la plupart des terrains. On est évidemment toujours à Chazel sur Lyon, très heureux de vous retrouver pour cette fin de matinée, l'occasion de vous faire vivre eh bien, le dénouement de ces matchs de groupe qui vont nous permettre de connaître Nathalie Bernard, les quatre premiers, les quatre demi-finalistes, tout simplement. Il n'y aura pas de premier demi-finaliste, les quatre demi-finalistes, avec notamment cette affiche qu'on va avoir l'occasion de suivre, qui va être décisive entre Lyon et la Côte-Saint-André. Lyon et la Côte-Saint-André. Oui, pardon. Oui. Excusez-moi. Lyon et la Côte-Saint-André, ouais, c'est ça. On va suivre évidemment cette affiche. On va également faire un point, regarder le programme de ces parties de groupe que vous allez pouvoir découvrir dans quelques instants sous vos yeux. C'est vous, monsieur le président ? Voilà, avec le programme donc de cette troisième partie de groupe, La Motte Servolex joyeuse, Nice Maurienne Galibier dans le groupe 1, Nice qui est en ballotage très favorable, Nathalie Bernard, dans le groupe 2 Saint-Vulbas-Lagnieux et surtout la Côte-Saint-André Lyon que l'on va pouvoir suivre dans quelques instants, et dans le groupe 3 Genlard face à Fontaine, ça aussi c'est un match décisif pour les demi-finales, Annecy Bourg-Saint-Andéol dans le groupe 4. Plaine de Lain face à Bron et Génissieux Aix-les-Bains. Voilà pour le programme de ces dernières parties de groupe au pôle sportif Chazélois dans ce magnifique écrin de Chazel sur Lyon. Et on a de la chance puisque le maire Pierre Véricel est avec nous. Bonjour monsieur le maire. Bonjour.
On va vous ouvrir le micro, excusez-moi, je vous coupe la parole, je vais vous ouvrir. Ça commence bien. Ça commence bien. On est très heureux de vous avoir avec Nathalie Bernard parce qu'on passe un très très bon moment depuis hier soir. On est impressionné déjà par la qualité des équipements de ce complexe, de ce pôle sportif chazélois qui a à peine un an, c'est ça, monsieur oui, le maire ? Oui, 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 tout à fait. Il est tout récent. La qualité, ben écoutez, il a la structure d'un bâtiment industriel puisque Chazelle est une ville industrielle, chapelière, petite ville, 2500 emplois dans la chapellerie et le boulodrome a été construit à la place d'une entreprise de chapellerie. Oui. D'où une architecture particulière que nous revendiquons et qui est un peu le trait entre, d'union entre le passé et le futur. Et on le voit dans cette ville justement avec ces magnifiques bâtiments. Il y a énormément de bâtiments qui sont magnifiquement rénovés. On a également l'occasion de voir avec ce pôle sportif que vous donnez eh bien, la part belle au sport boule, oui. Mais pas seulement, hein, puisqu'il y a d'autres disciplines qui ont établi leur quartier dans ce pôle sportif. Alors oui, sur ce pôle sportif, il y a un dojo juste derrière nous. Et puis nous avons d'autres gymnases. Pour une petite commune, nous sommes super bien équipés. D'ailleurs, nous avons à peu près tous les labels qui existent de villes sportives, régionales, nationales, je ne sais plus. Parce que le sport, c'est important et c'est vivre en société. Et on a une chance particulière ici, sur cette commune et les communes alentours, c'est d'avoir énormément de personnes qui se mobilisent autour d'un sport, autour d'une idée. Et vous avez pu le constater, il y a une belle qualité d'accueil qui est due aux nombreux bénévoles qui sont là depuis plus d'une semaine pour préparer cet événement. Vous avez su aussi également rassembler différentes communes, ça c'est intéressant, à l'image du club de la S Chazelle-Viricelle, oui. Qui est capable de se diversifier, qui offre du sport boule, mais qui offre également d'autres possibilités à leurs adhérents. Ah oui, c'est la marche, c'est de la gymnastique, et c'est surtout l'intérêt, c'est que c'est ensemble, c'est-à-dire que ça va bien au-delà strictement de la commune de Chazelle, puisque vous l'avez dit, il y a des clubs, des associations qui se fédèrent, et notamment on est en train de créer un pôle compétition avec Bellegarde-en-Forêt qui avait une équipe la saison dernière dans cette ligue sport boule et main, l'équipe de Frédéric Mioto qui était présente. Un mot sur votre relation avec le sport boule, c'est quelque chose qui vous passionne? Écoutez, mon père était un bouliste comme beaucoup de Chazellois. J'ai eu droit à passer mes samedis et mes dimanches sur les jeux de boule, les concours, voilà, il est allé au championnat de France, je ne sais plus, 3e ou 4e division. Donc je connais un petit peu l'environnement et le milieu. Et cette compétition, justement, faire venir les 16 meilleures équipes de France ici à Chazelle-sur-Lyon. Oui. On imagine votre satisfaction, votre fierté aussi, hein, de voir aussi ce club capable de se mobiliser, cette ville capable de se mobiliser pour un tel événement. Tout à fait. Mais c'est l'état d'esprit que je vous décrivais tout à l'heure. C'est-à-dire que, effectivement, c'est l'agrégation à la fois d'une volonté municipale, mais sans nos habitants, sans les bénévoles, sans l'engagement aussi de nos voisins de Bellegarde, par exemple, ça n'aurait pas été possible. Et en fait, on voit qu'on peut se transcender, effectivement, en étant une petite ville à la campagne et proposer des choses d'un niveau égal à des communes beaucoup plus importantes que la nôtre. Oui, on rappellera à tous nos fidèles suiveurs de cette Ligue Sport Boule et Main de venir faire un tour à Chazelle-sur-Lyon, notamment, pourquoi pas, visiter le fameux musée, l'atelier musée du Chapeau dans l'usine Fléchet, hein, qui est le 5e musée le plus visité de la Loire. On rappellera aussi qu'ici, c'est une terre de gastronomie, hein, aussi avec énormément de très bonnes tables. Dont un restaurant étoilé, le Château Blanchard. Voilà, le chef, c'est mon ami Sylvain Roux. Voilà, c'est des gens magnifiques, aussi à l'image du territoire, très accessibles, sympathiques et avec du talent, bien évidemment, parce que pour avoir une étoile, il faut avoir du talent
et la garder, hein, parce qu'ils l'ont depuis un certain temps. Bon, j'ai promis à Nathalie Bernard que si elle était fidèle aux commentaires aujourd'hui, demain on irait déjeuner sur cette magnifique table. Mais elle n'est pas d'accord, je crois. Je ne suis pas sûr que ce soit possible, parce que... un peu tard pour réserver. C'est un peu tard. Oui. Ah mince, dommage. Une prochaine fois, Cyril. Alors, un petit mot également sur... Alors, on connaît le nom des Chazellois, hein, qui veut dire petite maison, château, hein, je crois, si je me suis bien renseigné. Le surnom, les Farlots, c'est ça ? Les Farlots. Alors, expliquez-nous un peu pourquoi on surnomme les habitants de Chazelles les Farlots. Alors, les Farlots, c'est en patois, c'est le fier et libre. Ouais. Parce que les Chazellois étaient de gros travailleurs, mais avec un certain caractère. Et donc, ils travaillaient à la pièce, c'est-à-dire qu'ils travaillaient au chapeau produit. Alors, ils gagnaient très bien leur vie parce qu'ils travaillaient beaucoup. Mais quand ils avaient décidé que ça suffisait, ils arrêtaient de travailler. Par exemple, pour aller pêcher pendant 3 ou 4 heures, alors que c'était pendant le temps de travail. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, moi, je dirais, c'est une organisation du travail qui, aujourd'hui, pourrait être exemplaire. Parce qu'en fait, ils avaient une productivité qui était bien supérieure à la moyenne et des salaires plus élevés. D'accord. Oui. Ah, c'est une réflexion. Alors, et on l'a vu en tout cas avec les nombreux bénévoles qui sont là, c'est vrai qu'ils ont une capacité de travail au-dessus de la moyenne. Ah, énorme, ça produit énorme, hein, depuis deux jours hier, ça dépote de tous les côtés. On salue d'ailleurs tous les bénévoles et on vous remercie. Et je suis fier d'eux. Ah, mais vous pouvez être fier d'eux. Parce que je suis fier de l'équipement, mais je suis surtout fier d'eux. Vous pouvez être fier d'eux. Vous pouvez parce qu'ils font un énorme travail. Quoi. Ouais. Ouais, merci en tout cas, Pierre Véricelle, d'être venu et un grand, grand merci à toute la ville de Chazelles-sur-Lyon pour son accueil. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Allez, voilà, merci au maire donc de Chazelles-sur-Lyon, Pierre Véricelle, qui est venu nous dire un petit mot. On a eu l'explication des Farlots, hein, justement. Voilà, attendait depuis hier d'avoir cette explication, on l'a. On a eu cette explication. Et on est parti, Nathalie, dans notre match important, hein, évidemment, fait, entre la Côte-Saint-André et Lyon. La Côte-Saint-André qui a la possibilité de rejoindre les demi-finales. On a l'impression d'avoir une redite de certaines étapes où la Côte-Saint-André est passée à plusieurs reprises, tout proche des demi-finales. Et là, l'équipe de Gérard Gondran a cette possibilité. Tout à fait, tout à fait. Alors là, on a appelé l'arbitre parce qu'on avait un tir qui était litigieux. Et visiblement, l'arbitre n'a pas accepté le coup sur la première boule de Mathieu Bellier. Que dans cette équipe donc de la Côte-Saint-André, donc avec son chef de file Gérard Gondran. Ensuite, on aura Kevin Ducreux, puis Mathieu Bellier en tireur en second et en tireur tête Baptiste Kotlarek. Donc contre-équipe de la Cro-Lyon, donc avec Fabien Amar en pointeur tête. Ensuite, on a Sylvain Biondi. Et puis au tir, Eddy Chemarin et puis Xavier Majorel en tireur en second. Voilà, c'est réussi cette fois-ci pour Mathieu Bellier. Et l'équipe donc de la Côte-Saint-André donc qui dans le groupe 2 pour l'instant s'est imposée 7-4 hier soir face à Saint-Vulbas et qui s'est imposée 13-9 ce matin face à Lagnieu. De son côté, Lyon l'avait emporté 13-4 hier soir face à Lagnieu et s'est imposé dans la douleur 7-6 hein, ce matin face à Saint-Vulbas, deux équipes donc à deux victoires et qui donc eh bien vont se jouer dans quelques instants et sous nos yeux cette place pour un dernier carré. Il a complètement manqué de Sylvain Biondi là. Là il était chercher carrément le fil là à l'eau sur la gauche. Étant donné qu'il n'y a pas de boule sur le jeu, eh bien c'est l'équipe de la Côte d'aller pointer. Et ça va laisser la place à Gérard Gondran, 74 ans, 50 ans de haut niveau et toujours évidemment à la tête de cette équipe de la Team Serfim qui l'emmène, composée avec, vous l'avez dit tout à l'heure, Maxime Faure, Clément Joly, Kevin Ducreux, Baptiste Kotlarek et Mathieu Bellier. Kevin Ducreux qui connaît bien cette région puisqu'il évoluait la saison dernière à Bellegarde en Forêt dans l'équipe de Fred Mioto. Il fait partie du cru, ouais, effectivement, et Gérard Gondran, un joueur qu'on voit depuis très très longtemps sur les jeux, un fidèle.
qui sera à domicile la semaine prochaine, hein, les Isérois de la Côte-Saint-André, puisqu'ils joueront à Saint-Quentin-Falavier. Ce sera l'équipe locale, l'équipe du département en tout cas, qui représente l'Isère. Notre team Serfim qui, avant cette étape, était 14e à égalité de points avec Lagnieu. 12e, pardon, à égalité de points avec Lagnieu. 4 victoires, 7 défaites. Désormais 6 victoires et 7 défaites pour cette formation qui a terminé 2e de groupe à Mâcon et 2e de groupe à Lyon. Et qui a la possibilité là d'aller chercher une place en demi-finale. On se souvient que cette formation l'année dernière avait été demi-finaliste déjà. C'était lors de l'étape 6 à Saint-Vulba. Une défaite contre Maurienne Galibier en demi-finale. Lyon évidemment surfe sur sa victoire lors de la troisième étape il y a 15 jours sur le plateau de la Croix-Rousse. On a pu voir une boule courte de Xavier Majorel qui est venu se coucher sur la boule de Gérard Gondran qui est un bon petit mètre devant le but. Allez, deuxième boule pour Xavier Majorel. On va en rajouter un peu. Passer ces deux boules de devant. Allez, Xavier. C'est bien rectifié tout de suite. Kevin Ducreux qui a été sacré champion de France la semaine dernière à Saint-Vulba avec son équipe de club sportif. Oui. Avec Portet-sur-Garonne. Non. Qui avait été finaliste. Ah, d'accord. Ouais, finaliste. Okay. Pardon. Je croyais que tu disais qu'il avait été sacré avec cette équipe-là. Non, il a été finaliste. Kevin. On va renvoyer Gérard pointer sa dernière boule. Et dans ce groupe deux, eh bien on affrontera le premier du groupe 1 qui pourrait être Nice. Maurienne Galibier a également une carte à jouer, pourquoi pas la mode Servelex. La boule est mieux que la première, c'est un peu excentré sur la gauche aussi. Négocier. Et Kevin Ducreux. On va laisser jouer le terrain à côté où se joue la partie entre Saint-Vulba et Lagnieu. C'est ça, les partie voisins. Pour aller chercher une place en partie de classement, hein, puisque. Les deux formations ont été battues lors des deux premières parties. Éviter de repartir avec trois défaites, évidemment. Et puis aller ajouter, pourquoi pas, deux points supplémentaires en partie de classement. C'est un peu aussi l'objectif de Joyeuse, hein, qui a perdu ses deux premiers matchs, qui avait fait une très belle troisième étape. Mais Joyeuse, qui est privée ce week-end de Romain Garnier. Et on le voit, eh bien, Romain Garnier manque à cette formation de Joyeuse. Ce n'est pas un hasard, évidemment. Eddy Chemarin. Chemarin pour rajouter. Deuxième point de rajouter.
poules devant sont loin. Hein, donc, On va laisser tirer Alexandre Chirac, qui était déçu hein, tout à l'heure par le retournement de situation vécu face à Lyon. Saint-Rubin qui avait vraiment l'occasion de s'imposer. 6-2, hein, ils menaient. Hein. Oui, oui, puis ils ont eu deux revirements de situation en fait, un hier soir et un ce matin. Donc bon, ils étaient très très déçus d'avoir laissé échapper ces victoires. Amoindri évidemment les Villibadois. Bien sûr. Ils sont que 4. Hein. Alex Chirac et on le rappelle. Fred Marsens, qu'on retrouvera avec l'équipe de France tout lors des championnats du monde à la maison. Ça fait plaisir évidemment à André Casella, le président du club, qui se démène évidemment pour offrir de magnifiques rendez-vous dans l'Ain. Il y a eu évidemment cette étape de Ligue 1. Il y a eu aussi ces championnats de France des clubs avec des bonnes nouvelles et des moins bonnes nouvelles. Hein, Nathalie, on n'a pas eu l'occasion d'en parler hier, mais c'est vrai qu'il y a eu évidemment cette belle victoire des garçons dans le championnat élite face à Ballaruc-les-Bains. Ça a été un sacré duel hein, entre les deux formations. Oui, tout à fait, très serré, bon, jusqu'à la victoire de Sébastien Mourgue en combiné. Donc voilà, très 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 serré jusqu'au dernier tour. Et puis voilà, Saint-Vulba a acquis la victoire, contrairement... à nous les féminines. Ouais, déception, on imagine. Voilà, pour votre équipe qui a été battue par Bièvre-Isère. 26-25, ça s'est joué à rien. Ça s'est joué à rien et ça s'est joué à 20 minutes de la fin en fait. On avait un petit peu le match en main et puis c'est un petit peu écroulé sur la fin. Voilà, c'est comme ça. Après, on savait que c'était du 50-50. Hein. La Bièvre, c'est une très très belle équipe. Voilà, c'est nous qui avons. Alors, elles ont bien joué. Nous, on a bien joué jusqu'à ce dernier quart d'heure quoi, où on a lâché un peu des boules importantes. Et le triple Broléa Luizel Skatchaloupi qui a donné la victoire donc aux Iséroises. Ah non, c'est pas le triple qui a donné la victoire. C'est pas le triple Non. Ah, d'accord. Parce qu'elles l'ont perdu. J'ai des mauvaises informations, c'est ça alors? C'est ça. Non, je dirais plutôt que c'est Marie Groulez en tête à tête qui a donné la victoire. Ok. Et vous, Nathalie, vous avez remporté vos deux parties hein, oui, tout à fait. En triple. C'est ça. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi et effectivement, ça ne joue à rien. Enfin, voilà, on aurait pu penser faire une épreuve d'appui. Bon, ben voilà, ça ne s'est pas fait comme ça. Et bien, mais tant pis, c'est pas grave, il nous restera la Coupe d'Europe. On ira chercher la Coupe d'Europe au mois de septembre à Cléra, pas très loin de Perpignan. On a de la chance hein, cette année parce qu'on est entouré de championnes hein, avec vous Nathalie et puis également avec Florian Amar qui a été énorme hein, aussi en relais avec Marie Groléa et en combiné. Et puis également en grosse performance des sœurs Pauline et Elisa Bouillot en tir de précision. Oui, tout à fait, elles ont fait un très très gros match. Bon après il n'y a pas de surprise, hein, voilà, on le savait, on savait qu'il fallait être à fond. Voilà, il nous a manqué un petit peu. Bon, félicitations en tout cas à Bièvre-Isère, félicitations aux Villibadoises aussi qui auront l'occasion d'aller chercher un titre européen, on vous le souhaite aussi. Félicitations aussi à Saint-Priest qui a été sacré dans le championnat de féminine élite 2 face à Saint-Vallier 29-15 et au club de Filias en Dauphiné, vainqueur de Mâcon 28-17 en National 1. C'est ça, des matchs, c'est pareil, alors eux, des matchs sans suspense hein, finalement. Ouais, 29-15 et voilà. 28-17. Saint-Priest a pris la tête rapidement et idem du côté de l'Isère. Et puis chez les garçons. Cette équipe de l'Isère qui est entraînée et managée par Frédéric Poyer. Ouais, Fred Poyer. Voilà, nous à Saint-Vulbas, on a Alexandre Chirac. À Bièvre. À Bièvre, on a Maxime Faure. Maxime Faure. Ouais. Voilà. On a beaucoup de joueurs de Ligue 1 qui s'investissent au niveau des féminines et c'est très bien, ils nous apportent leur expérience. Donc c'est bien. Et chez les garçons, donc victoire, on le disait, de Saint-Vulba face à Ballaruc-les-Bains, 29-19. Les champions de France, Fabien Coire, Fred Marsens, David Pirou, Sébastien Mourde, Alex et Greg Chirac, Gérard Condreau, Sébastien Belay et Mathieu Vercher, qui donc ont été sacrés avec un parcours sans faute, 15 victoires, 15 matchs pour les Villibadois. En Élite 2, c'est Toulouse
qui a été sacré face à la mode Servolex, 28-20 en National 1 masculine, Pont-de-Claix de Fred Gonzalez, qui s'est imposé 30-20 face à Saint-Maurice-Bénaud de Cédric Rostin-Taillard en National 2 masculine. C'est Sisteron de Marc Dussaillant qui a été sacré face à Cluny d'Anthony Percherancier et de Joanny Troncy, 27-25. Et puis en National 3 masculine, c'est Saint-Just-Saint-Rambert qui s'est imposé face à Portet-sur-Garonne de Kevin Ducreux et Fred Delot, 27-23. C'est ça. Un très beau match, match très serré. Hein. Moi, j'ai eu la chance de regarder cette fin de match et ça a été un match très très serré, avec beaucoup de suspense. Allez, deuxième boule pour Gérard. Il s'est repris. Il envoie Guy Chemarin au tir. Et 3-0 hein, pour les Lyonnais qui ont bien entamé cette partie. Allez, un petit point des scores, Nathalie Bernard. 3-0 pour Lyon, donc Saint-Vulbas qui est mené 1-0 par Lagneux, Lamotte, Servolex qui est mené pour également 4-0 face à Joyeuse, 5-0 pour Nice. Oui. Ce matin, c'est notre speaker Marc-Alexandre qui nous disait qu'il voyait bien Nice au week-end, pourquoi pas marquer des points et également marquer les esprits, les Niçois qui font partie des gros cylindrés de cette compétition et qui sont pour l'instant un petit peu en retrait, pas très loin, mais un petit peu en retrait, qui ont l'occasion peut-être de marquer des points et des esprits ce week-end. 0-0 entre la Plaine de Lens et Bron, 1-0 pour Aix-les-Bains face à Génissieux, Annecy 0-0 face à Bourg-Saint-Andéol, et puis Genlard qui continue pour l'instant, hein, 2-0 face à Fontaine. Je crois qu'Annecy mène 6-0. Ouais. C'est pas mis à jour en effet, 6-0 face à Bourg-Saint-Andéol, 6-2, ah non 6-0, n'importe quoi. N'importe quoi. Non mais c'est 2-0 pour Genlard. c'est pas en horizontal qu'il faut lire le tableau, c'est à la verticale, Cyril. 6-0 pour Annecy. Alors qu'on revoit ce tir envoyé par Eddy Chemarin. Ouais. Est-ce qu'on a fait. Non, on a mis la. Ouais, on a mis la grosse équipe à Lyon, même si on a des possibilités évidemment de tourner. Hein. On a sur le banc notamment Patrick Alcaraz, oui, qui pourra rentrer. Également Jean-Luc Bertrand, qui avait été très intéressant. Sur l'étape de l'accro, ouais, bien sûr. Bon, après, ils ont gagné comme ça, donc ils ont redémarré comme ils ont gagné la partie avant. C'est pas déconnant. Allez, Kevin Ducreux au point, sa première boule de point finalement. Ah, est-ce que ça a pris ? Visiblement, Gérard est confiant. On hésite quand même. On a le sourire avec Eddy Chemarin. Il faut pas abîmer nos caméras, Eddy. Hein. On en a besoin encore. Hein. On a besoin de nos cadreurs qui travaillent d'arrache-pied. On les salue encore, Alexandre Bijas et Benoît Choran ce week-end. Arnaud Favre également qui nous rejoint sur certaines étapes. Il a bien assuré la reprise, Kevin Ducreux. Sylvain Biondi.
C'est ça. Recrue hein, de cette équipe de Lyon, Sylvain Biondi, avec Jean-Luc Bertrand qui évoluait la saison dernière à Fontaine. C'est un petit peu couché. Allez, toujours, on va terminer cette. Pas 12e main encore, hein, on est un petit peu en avance. Cette deuxième main, évidemment, entre la Côte-Saint-André et Lyon. Et puis on accueillera Eric Clair, ça aussi vous êtes habitué. On a eu ce matin notre petit café croissant, très, très sympa, très convivial. Vous n'étiez pas encore levé, Nathalie Bernard, vous n'avez peut-être pas pu y assister. Mais on a passé un bon moment tout à l'heure. J'imagine. Avec. Notre speaker, et on a de la chance puisqu'on aura également l'occasion d'avoir dans quelques instants notre mag éclair du samedi matin, 11h20. On est à peu près dans les temps, hein, et ça nous permettra évidemment de parler des promus et Lyon qui est encore en bonne position, hein, dans cette deuxième main, alors qu'on a à l'image les Vili-Badois et leur couleur grenat. Mine de Cru encore qui assure la reprise quand on voit Xavier Majorel au tir. Les sacs de la Croix-Lyon qui pourraient être encore remplis de plein de points ce week-end après cette magnifique étape à la Croix-Rousse et ce show de Xavier Majorel. Ils sont bien repartis pour aller chercher une deuxième demi-finale. En tout cas, ils ont attaqué pied au plancher leur troisième match de poule. Avec Xavier frappé. Majorel qui est en grande forme, félicité par Eddy Chaumarin. On va revoir ce tir de Xavier Majorel. Alors, le point sur les boules à jouer, Nathalie, je ne sais pas si vous avez pu voir. Non, alors je crois qu'il reste deux boules pour la Côte-Saint-André et une boule pour la Croix-Lyon, si j'ai bien vu sur le râtelier. Je dis tellement de bêtises, Nathalie. Il me semble qu'il reste une boule à Sylvain Biondi, ouais. Ça c'est sûr, et deux boules à Mathieu Bellier, normalement, c'est ça. Et il va être un peu court là. Mathieu qui va être court. Oui. La course, ça va redonner un petit. Petit espoir à la Croix. Dommage, bon, c'est la première boule qui pointe. Ouais, deuxième boule pour Mathieu. Engagée celle-ci. Ouais, elle va être un peu forte malheureusement pour Mathieu Bellier. Elle a peut-être un petit tour de trop, ouais. Effectivement. Le point reste pour Lyon. C'est ça. Sur le terrain, une dernière boule à jouer pour les Lyonnais et pour Sylvain Biondi. C'est ça, la Côte a un petit peu de mal à rentrer dans ce match.
Il faut évidemment évacuer. Il y a la pression hein, d'aller chercher une place dans le dernier carré. C'est une sorte de quart de finale hein, que jouent les deux équipes. Tout à fait. Dans cette compétition. C'est pas simple. Hein. On est sur un jeu d'extrémité. On a le public à côté. On sait que les jeux d'extrémité sont plus compliqués à jouer en principe que les jeux du milieu. Et la petite réussite pour Sylvain Biondi pour donner deux points supplémentaires à Lyon qui mène désormais 5-0 face à la Côte-Saint-André dans cette affiche des troisième matchs de groupe de la Ligue Sport Boule M1. Et on va pouvoir recevoir Eric Clerc qui est avec nous. Eric, Nathalie qui sait tout faire, allume les micros aussi, qui est multitâche comme d'habitude. Et on a Eric qui nous a rejoint. Ça va Eric? Oui, merci beaucoup. Plaisir de vous avoir comme chaque samedi avec ces deux chroniques. Marc-Alexandre le matin et vous plutôt un peu plus Grassmat, on va dire. On va l'appeler la chronique Grassmat de 11h20. Moi, je préférais aussi la chronique Grassmat, hein, si j'avais le choix aussi entre les deux. La chronique apéro. La chronique apéro aussi. Eric Clerc, attaché de presse de la Ligue Sport Boule M1 et également notre suiveur aussi dans cette compétition. Eric, un petit mot juste d'abord pour commencer sur cet endroit. Je ne sais pas si vous le découvrez. Ce magnifique écrin du pôle sportif chazellois. Oui, tout à fait. Alors, c'est une grande nouveauté pour moi. Et oui, c'est un bel ambassadeur de la discipline, en tout cas, et qui va aider, j'espère, à la promotion de ce beau sport. Il est bien pour les joueurs, pour le public, on le voit, hein, qui est nombreux, pour nous aussi également, pour vous permettre de vivre au mieux cette compétition, des équipements modernes, mais aussi dans l'histoire. On a eu tout à l'heure le maire hein, qui nous disait que ce lieu s'inscrivait aussi dans l'histoire des usines de chapellerie hein, qui ont fait notamment les grandes années de Chazelles-sur-Lyon. Un mot sur votre chronique éclair de votre mag éclair de ce samedi qui est consacré plutôt au promu. Vous avez eu l'occasion de rencontrer il y a quelques jours Rémi Martinez lors d'une petite interview. Vous avez porté bonheur à Génissieux hein, qui a remporté une victoire importante il y a quelques minutes en direct contre Bron. Tout à fait, face à un adversaire direct au maintien, donc c'était important pour cette formation. Oui, alors on a voulu un petit peu ce week-end mettre l'accent sur les deux promus hein, qui sont donc vous l'avez dit Génissieux et Plaine de Lin. Alors deux équipes au parcours bien différent hein, après trois étapes, puisque la Plaine de Lin pointe à la deuxième place avec déjà une victoire lors de la deuxième étape à Saint-Vulbas. Et en revanche, c'est des débuts beaucoup plus difficiles pour Rémi Martinez et sa bande, puisque eux ils sont lanterne rouge. Ils ont remporté seulement deux victoires sur 12 parties pour l'instant, dont la dernière, là, ils ont été bien inspirés de s'imposer. Voilà, donc deux parcours complètement différents, avec deux équipes aussi au profil différent, parce que donc, la Plaine de Lin est une équipe quand même qui est composée de joueurs qui peuvent prétendre jouer les premiers rôles. Hein, c'est ce qu'ils font pour l'instant, ils sont deuxième derrière Annecy. L'objectif pour eux, il est atteint même, c'est pas pratiquement, puisqu'ils visaient une place pour les demi-finales. C'est un peu l'objectif fixé par Olivier Monceny, le chef de cadrette. Et on l'a dit, ils sont déjà imposés dès la deuxième étape. Donc pour un promu, c'est assez exceptionnel quand même. C'est une équipe, composée avec des joueurs très expérimentés. Hein. Sébastien Moore, bien évidemment, Condro, Thierry Michel. Avec ce mix un petit peu, avec cette découverte de Mathieu Verchet, donc la jeunesse. De cette équipe. Alors, il y a vraiment un projet de club, c'est intéressant avec cette équipe de Plaine de Lin, parce qu'ils auraient pu aller chercher des recrues un petit peu ailleurs, dans d'autres formations, mais ils ont intégré donc deux nouveaux joueurs qui ont succédé à Sébastien Charousset et David Ducoté, qui ont quitté l'équipe l'année dernière, ils étaient en Ligue M2, et là, donc, ils ont été renforcés par Gérard Condro et Mathieu Verchet, on l'a dit. Et à eux deux, ils marient un petit peu cette philosophie quoi, de l'expérience et de la jeunesse. Alors on attendait évidemment cette équipe de Plaine de Lin avec des joueurs qui ont l'expérience hein, de cette compétition. On connaissait un peu moins Génissieux et Lagneux. Lagneux est parti très fort. On sent que cette équipe a peut-être un petit peu à la recherche d'un second souffle. Et puis Génissieux qui petit à petit est en train de monter en puissance. Et c'est difficile évidemment pour ces formations de connaître le très très haut niveau.
Oui, alors c'est difficile. Alors c'est un cran au-dessus, hein, comme nous le disait Rémi Martinez cette semaine. Il disait que voilà, en Ligue M2, avec en jouant 6 boules, ils arrivaient à s'en sortir. Bah là, ça, même avec 8, des fois, on n'est même pas sûr de marquer. Donc c'est encore un autre niveau. Et ce qui leur manquait un petit peu, c'était aussi leur déficit sur les buts. Voilà. Parce que Rémi Martinez expliquait que justement, ils arrivaient à faire jeu égal pendant une heure et quart. Et que ben voilà, là, sur la main, un petit peu où ils étaient en difficulté, là, au moment où il fallait taper le but, ben là, ils étaient un petit peu absents. Et ben à ce niveau-là, c'est vrai que ça, c'est irrémédiable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur des parties de 2 heures, eh ben, on ne s'en remet pas. Si on loupe une main, des fois, c'est rédhibitoire. Voilà, donc c'est encore sur ce point-là qu'ils doivent encore progresser dans le domaine des buts pour limiter la casse quand ils sont en difficulté. Voilà. On rappellera que les deux derniers, hein, les 15e et 16e, descendent hein, dans cette compétition avec deux relégations et deux montées dans cette compétition. Merci beaucoup Eric d'être venu. On va tiens profiter de votre présence pour parler de médias. On a l'occasion ce week-end d'avoir avec nous France Bleu, notre partenaire également Tonic Radio hein, qui accompagne, et également la presse hein, qui est au rendez-vous avec de plus en plus d'articles hein, qui évoquent cette Ligue Sport Boulémain. Oui, oui, il y a toujours, on note cet intérêt accru d'étape en étape. Hein, toujours les partenaires fidèles de Fit Libéré et Le Progrès, bien évidemment, mais aussi là, justement sur cette étape-là, on a vraiment beaucoup de médias locaux qui suivent avec intérêt cette Ligue M1. Et on ne peut que s'en féliciter parce que, justement, c'est encore une fois, c'est un sport qui mérite toute l'attention des médias. Et on va justement profiter pour conclure cette chronique et avoir une pensée pour Guy Villard, le journaliste du Progrès qui s'est éteint cette semaine à 82 ans. Guy Villard qui était né à Saint-Étienne, qui a été pigiste à Loire-Matin, passé par le Dauphiné Libéré, passé par le Progrès de Lyon de 1969 à 2002, qui a été adjoint au sport. C'était un vrai amoureux du sport et du sport boule. Nathalie, ouais, vous hochez la tête, vous connaissez Guy Villard. Je connais très bien Guy Villard, on a fait énormément de... Enfin, il a fait énormément de reportages sur les féminines et sur moi aussi à l'époque où je jouais en Super 16. Personne très très sympathique. Voilà, qui a couvert les tournois de Pentecôte, les championnats nationaux et internationaux, qui était aussi à la direction de Sport Boule Magazine hein, jusqu'en 2016. Un personnage marquant et une personne très très chaleureuse, tout simplement, Guy Villard. On a une pensée notamment pour ses deux filles, qui notamment sa fille qui est toujours également dans le milieu du journalisme, qui est du côté du Progrès de Bron. Voilà, merci beaucoup en tout cas, Eric, d'être passer au micro, on vous retrouvera peut-être un peu plus tard, qui sait, avec si plaisir. La technique nous le permet. À votre service. Merci beaucoup. On va nous continuer à suivre cette partie pour l'instant où Lyon fait un cavalier seul face à la Côte-Saint-André pour mener 6-0 désormais face aux Isérois, les Lyonnais qui pour l'instant maîtrisent. Ouais, la Côte a un petit peu de mal à rentrer dans ce match, on le disait la semaine précédente, mais c'est toujours un petit peu le cas là sur cette entame de main. Allez, c'est manqué là pour manqué. Baptiste Kotlarek. Du coup, on y retourne. Avec toujours donc ce cavalier seul des Lyonnais 6-0, on a de la chance parce que les invités se bousculent à notre micro, on a de la chance. On parlait avec Eric Clerc des promus, on a eu tout à l'heure l'occasion de voir Génicio Bron, et on a l'occasion maintenant d'accueillir Rémi Martinez qui était à côté tranquillement, qui a laissé sa place là pour cette dernière partie de groupe. On l'a vu sourire, là on vous sent détendu. Cette partie, cette victoire face à Bron fait beaucoup de bien à votre équipe. Oui, bonjour à tous. Oui, ça fait du bien et puis... Ce qui fait plaisir, c'est que depuis hier, là, on a fait deux très belles parties. Donc voilà, ça, on sent que ça joue mieux, que ça progresse mieux et qu'on a pris le rythme. On a pris le rythme de la partie du vendredi soir qui était très difficile pour nous jusqu'à présent. Donc voilà, ça fait plaisir.
Oui, on a vu hein, hier soir encore, on s'est dit ils sont abonnés à la très bonne première heure et quart de jeu et puis après ça, c'était un peu plus compliqué. C'est aussi ça la Ligue Sport Boulémain, ça demande une concentration, des efforts aussi pour tenir sur ces deux heures qui sont peut-être un peu plus supérieures à la division inférieure. Ouais, c'est ça. C'est en fait, il faut rien lâcher par rapport à la Ligue M2, on peut rien lâcher pendant deux heures. Et puis bon voilà, il suffit qu'on manque une ou deux boules et en face ben, ça joue 7-8 boules par main, donc ben, le retour il se fait vite revenir. Et puis après on a craqué une main complète, où là ça a été très dur. Et là on le voit, hein, votre équipe qui mène pour l'instant 3-1 face à Aix-les-Bains, peut-être ce genre de victoire qui peut être considéré comme des déclics qui permettent d'aborder la suite d'une compétition différemment. Vous restiez sur deux étapes blanches, hein, 100 points. Oui c'est ça, on avait deux étapes où on n'avait rien marqué du tout. Là, je pense ben, qu'on est sur une bonne dynamique depuis hier soir. Donc là, la partie de Bron nous a vraiment fait du bien. Et puis là, ça permet de lâcher un peu et de jouer un peu plus décomplexé. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on a une équipe, voilà, comme je disais plusieurs fois, une équipe de copains. Donc on se motive les uns les autres. On sait qu'on donne le max pour l'équipe. On a des joueurs qui sont un peu blessés, donc c'est un peu compliqué, mais on arrive à s'en sortir. Bon, ça fait plaisir. En tout cas, félicitations, les improbables sont là, sont présents. Et ils ont, et un petit mot, tiens, avant de vous laisser, Rémi, sur ce joyau-là, ce magnifique boulodrome du pôle sportif chazellois. Quand on joue là-dessus, on se régale, non? Ah oui, exceptionnel. Honnêtement, c'est rare de voir des boulodromes aussi jolis. Donc, alors j'ose espérer que celui de Romain va être à peu près pareil, le nouveau qui est en train de se faire, qu'on ait un joli boulodrome aussi vers chez nous. Mais alors là, Chazelle, exceptionnel. Et puis l'organisation, il faut vraiment les féliciter parce que ce qu'on vit depuis hier, c'est ils sont petits oignons pour les joueurs. Il y a une vraie équipe dynamique. Franchement, bravo à toute l'équipe. Bon, et bravo aussi à votre équipe pour cette belle victoire face à Bron. On a eu l'occasion de la suivre en direct tout à l'heure et on vous souhaite une bonne fin de compétition avec cette partie importante face à Aix-les-Bains et clairement un match de classement qui va vous attendre un peu plus tard en début d'après-midi. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci Rémi. Bonne journée à tous. Merci. Voilà, le capitaine Rémi Martinez de l'équipe de Génicieux, la team Wolfeux, qui s'est imposée ce matin face à Bron et qui, pour l'instant, mène 3-1 face à Aix-les-Bains. Et on va suivre Sylvain Biondi. Pour l'instant, les Lyonnais mènent 6-0. C'est facile, peut-être un peu trop facile. Attention, hein, des fois aussi, ouais, hein, Nathalie, ouais, quand ça devient un peu trop facile et qu'on est déjà, on peut peut-être déjà vite se projeter vers les demi-finales. Et, c'est ça, mais il faut... Il faut jouer les boules, il ne faut pas trop se relâcher parce que ça peut vite devenir compliqué. On voit une mène de manquer et des fois c'est 4 ou 5 points d'engranger. Donc il faut rester concentré jusqu'au bout. Mais l'équipe de l'Acro-Lyon, avec l'expérience qu'ils ont dans cette équipe, je doute qu'ils se relâchent. Mathieu Bélier. J'espère qu'on aura l'occasion de l'avoir, Mathieu, cette année à notre micro. Hein, fait partie des nouvelles têtes de cette Ligue Sport Boulémain. Et vous voyez que ça va vite. Hein. La mode Servolex qui mène désormais 7-6 face à Joyeuse. Nice qui mène 8-1 face à Maurienne-Galibier. 9-0 pour Annecy face à Bourg-Saint-Andéol. 6-0 pour Genlard face à Fontaine. 4-2 pour Bron face à Plaine de Lin. Plaine de Lin qui. Plaine de Lin, ils sont toujours derrière, ils arrivent toujours à s'en sortir. Donc, alors, ils sont qualifiés hein, normalement, Plaine de Lin, donc peut-être qu'ils peuvent aussi, entre guillemets, faire une impasse. Peut-être plus. Je ne sais pas, peut-être ils ont fait rentrer le capitaine, donc on voit qu'il y a Olivier Monceny sur les jeux. Après, Olivier Monceny, très bon pointeur aussi, hein, ça ne veut pas dire que. Ouais. Mais voilà, peut-être un petit peu de relâche, effectivement, puisqu'ils sont déjà qualifiés. Après, depuis hier soir, ils démarrent mal et ils finissent bien, donc à voir. Ça peut être aussi un danger, ça, hein, chaque fois d'aller puiser, chercher comme ça. Il faut. C'est ça. On sait que cette épreuve, notamment les demi-finales et la finale, sont très éprouvants. On a souvent des équipes qui arrivent un peu éreintées par. Et là, comme la Plaine de Lin, ils ont couru après le score depuis hier soir. Bon, ils ont réussi à s'en sortir, mais ils ont laissé de l'énergie. Un petit favori, Nathalie, pour ce soir? Je verrais bien l'accro encore. Ouais. Je verrais bien un petit doublé de l'accro, là. Après, attention, il y a Nice aussi. Hein. Nice fait partie un petit peu de mes favoris en début de saison. Ouais. Et voilà, alors effectivement, on n'a pas Frédéric Assensi, mais on a quand même une équipe avec Manu Bilon, Sébastien Léva-Marcon, Sébastien Belay,
Romain Garcia, on a quand même une équipe qui tient la route et ils produisent du beau jeu depuis hier. Donc Nice, on n'est pas à l'abri de retrouver Nice en finale. Nice et Lyon, ça pourrait être en tout cas la demi-finale. Ça pourrait être une très belle. Ça peut pas être une belle finale, non, mais ouais. Ça pourrait être une belle demi-finale. Une belle demi-finale. Génard, Fontaine également dans l'autre partie du tableau qui sont. En course, hein, avec un avantage pour l'instant à Genlar qui, vous le voyez, a fait un premier écart 6-0 face à Fontaine. Et puis dans le dernier groupe, Plaine de Lin qui, pour l'instant, deux victoires et qui, avec sa victoire notamment sur Génicieux hier soir, et bien est quasiment en demi. On va suivre ça évidemment. Tout à fait. Là, on voit encore une belle boule de Fabien Amar. Hein. Il est bien rentré dans sa partie, lui. Très, très grand pointeur. C'est frappé pour Mathieu. Oui, Mathieu Bélier. Mot sur son style avec cette petite main là extérieure. Oui. On a tourné hein, du côté de la côte hein, puisque Mathieu était tireur en seconde et passé tireur tête. Hein. Pression 0,7, il faut essayer de faire quelque chose. Ouais. Ouais, ça peut aller très vite. Hein. Tout à fait. Face à cette armada orange. Allez, la deuxième boule pour Fabien Amar. Qui avait été très bon, hein, Fabien Amar à Lyon, qui a fait une très belle entrée en finale. Il a fait une très très belle entrée en finale. Hein, effectivement, hein, j'ai perdu. Jean-Luc Bertrand. Jean-Luc Bertrand, pardon, voilà, j'avais perdu son prénom en fait. Ça arrive hein, des fois les prénoms, je peux vous le dire. C'est ça. Mais du coup, j'évite d'en dire un pour éviter de me tromper. C'est une bonne technique ça aussi. Jean-Luc qui avait été bon et puis il s'est un petit peu écroulé sur la fin. Du coup, on a fait un petit changement à une demi-heure de la fin. On a fait rentrer Fabien et Fabien a été très bon. Donc voilà, ce qui a permis à l'accro de gagner cette finale sur leur terre. Jean-Luc Bertrand qui avait vécu l'une de ses plus belles émotions hein, et qu'il était vraiment aujourd'hui épanoui dans cette équipe lyonnaise, a joué notamment aux côtés de Xavier Majorel qui est un mythe. C'est ça. Bien, Mathieu Bélier. Voilà, ça va lui faire du bien, Mathieu, là, d'avoir frappé deux boules. On va le remettre un petit peu dans le match. Alors, première boule pour Sylvain Biondi dans cette main qui est restée un petit peu court. Un petit peu court sur la gauche. Permettre à Gérard peut-être de prendre la première place. Ouais, avec. Voilà, c'est repris. Sans du.
Voilà, je disais avant que Cyril me coupe le micro. Je suis désolé, Nathalie. Sans problème pour Gérard. Donc, vous parlez trop. Il a fait la reprise et on voit Eddy Chemin au tir. Ouh là là, il me semblait bien que celle-ci. Ouais, elle est partie un peu sur le côté là. Ouais. À gauche. Sur votre droite à l'écran, on la revoit dans le bon sens. Ouais, un peu à gauche. Il va avoir une seconde chance, Eddy Chemin. On a essayé un peu de faire tourner hein, pas mal dans cette équipe lyonnaise. Ça aussi, c'est un avantage. Hein. On essaye de préserver. Pour aller loin, il faut évidemment préserver les organismes, essayer de faire jouer tout le monde et de gérer aussi hein, l'effectif. Oui, tout à fait. Bon, ils peuvent. Hein. Ils ont Jean-Luc hein, en pointeur. Ils ont Patrick Alcaraz encore sur la touche. Ouais. Voilà. Ils peuvent se permettre de faire tourner l'effectif. Bon, là, ils ont redémarré comme ils avaient terminé. On verra après pour la suite. Et pour l'instant, ça se passe très bien. Donc, Allez, deuxième boule dans cette main pour Gérard. C'est à nouveau repris, très belle boule encore de Gérard Gondran. Ouais. Gérard Gondran qui reprend. Et du coup, c'est Xavier qui s'y colle. Pour Nice face à Maurienne Galibier. Nice qui file tout droit hein, pour vers le dernier carré. Ah ouais, ils font pas dans la dentelle. Hein. Ils ont faim peut-être. Xavier Majorel. Ouais, c'est touché encore. Ah, il me disait le poste hein, de tir en second, il faut garder la cadence, hein, c'est ce qui est le plus difficile. À gérer sur l'ensemble d'une étape. Tout à fait, mais bon, c'est bien le poste qui convient à Xavier. Hein. Tireur tête, c'est pas trop son poste, pointeur encore moins, surtout avec l'effectif qu'ils ont, mais le poste de Xavier en tireur en second, c'est vraiment ce qui lui va le mieux. Il l'a dit et on l'a constaté, hein, notamment la semaine dernière, mais il y a 15 jours à l'accro. Où il a été là, il a été impérial hein, sur la finale. Ah, il était, sur la demi déjà, ouais. Mais sur la finale, encore mieux. Il était l'homme de cette étape, Xavier Majorel. Il était dans un grand jour. Il était tout simplement exceptionnel. On en voit, c'est repris par Kevin, mais... Ça mérite pas d'aller tirer cette boule parce qu'elle reste encore loin. Là, on est peut-être dans un moment important dans cette rencontre hein, où si la Côte-Saint-André parvient à réduire un peu la marque, ça peut ramener à l'espoir. Tout à fait. Et si Lyon bascule de l'autre côté, là, ça va être très très compliqué ça pour les Isérois. Ouais, tout à fait. Et on revoit le tir là, de Baptiste Kotlarek. Ouais, c'est frappé pour Baptiste.
La Côte qui a l'avantage de boule pour la première fois dans cette partie. Dernière boule pour les oranges de Lyon, pour Xavier Majorel au point. Ouais, il va pas se manquer, hein. Non. Vous n'êtes pas surprise? Non. Le poste de tireur en second lui va bien, mais c'est un excellent pointeur, hein. C'est un très très grand joueur de tête à tête, Xavier. Donc pour être un grand joueur de tête à tête, il faut aussi bien pointer que tirer. Et c'est quelque chose qu'il sait très bien faire. Et bien tiré pour Baptiste Kotlarek. Et ça va donner la possibilité à la Côte d'ouvrir le score déjà. Ouais. Et d'ajouter peut-être deux points. Qui ferait du bien, qui relancerait l'équipe de Gérard Gondran. Hein. Ils ont le temps, hein. Il reste un peu plus d'une heure encore dans cette troisième partie de groupe. Et on le disait, cette mène pouvait être un tournant. Elle va sans doute permettre à la Côte Saint-André de se rapprocher de Lyon et d'y croire toujours. Condition que Kevin Ducreux la rende ce point. Ouais, c'est dans ses cordes. Il est sur le côté, ouais. Est-ce que on va mesurer. Je crois bien qu'il n'y en a qu'un. Ouais, il semble avoir qu'un seul point. Me semble bien. On va vérifier, hein. Évidemment, on va attendre la confirmation sur le tableau d'affichage, mais cette mène est pour la Côte Saint-André qui se relance quand même dans cette partie. L'avantage est encore clairement pour les oranges de Lyon, mais la Côte Saint-André n'a pas dit son dernier mot. Vous le voyez que la Motte Servolex et Joyeuse sont à 7 partout désormais. Que Nice est tout proche de la victoire face à Maurienne Galibier. 8-1 pour Génicieux face à Aix-les-Bains. Très belle performance de Génicieux qui est pas loin d'aller chercher une deuxième victoire et pourquoi pas. Et pourquoi pas une deuxième place dans ce groupe derrière la plaine de l'Ain. Annecy est en train d'aller chercher aussi une place dans les matchs de classement en s'imposant 9-0 face à Bourg-Saint-Andéol. Et Genelard également domine le match pour la première place face à Fontaine dans cette poule. Ouais, on n'aurait pas cru, hein, on aurait cru que Fontaine aurait été, enfin, disons, une partie beaucoup plus serrée, mais. Allez, une boule à 60 devant là, pour Gérard. Vite Fabien encore. Allez, Fabien Amar. Allez, deuxième tentative pour Fabien. Oui, deuxième tentative pour Fabien Amar. Ouais, qui est bien passé au jeu, mais un petit tour trop pour reprendre. Deux tours pour qu'elle soit jolie.
Ah, il est allé. Ouais, il a été cogné la boule de devant. Est-ce que ça a fait ? Est-ce que c'est passé ou pas ? Apparemment, non. Hein. J'ai pas l'impression. Eh, ça se complique un petit peu là pour les Lyonnais. On va mesurer quand même. C'était peut-être un peu trop facile. Allez, du coup, on va appeler l'arbitre. Il avait bien repris, Fabien. Oui. Les discussions là entre Gérard Gondran, on va laisser tirer Mathieu Bellier. C'est frappé. Aller tirer tout de suite puisque la boule de Gérard qui était quand même un petit peu loin au départ finalement a pris un peu d'avancement. On se retrouve maintenant 50 devant le but. Ouais, alors qu'on est à une heure hein, de la fin des parties, on est à mi-parcours dans ces troisièmes matchs de poule. C'est frappé pour Eddy. C'est bien envoyé hein, de la part d'Eddy Chemarin et Gérard Gondran. On va aller pointer la deuxième boule. Sa deuxième boule de cette main. Ouais, 12 à 2, Mauriane Galibier qui a réduit le score face à Nice. Une boule très très près encore mais qui a dû reprendre. Bron qui mène 4 à 2, 6 à 2 maintenant hein, face à Plaine de Lin à 4 points qui serait important hein, pour les Brondillans. Tout à fait. Toujours dans ce duel hein, pour le maintien. Discussion Sylvain Biondi, Fabien Amar. Allez, Sylvain pour la tentative de reprise. Pas un peu fort, mais. Ouais, non, non, elle a... C'est bien arrêté. Oui, toujours important, évidemment, hein, 7-1. Est-ce que la Côte-Saint-André va enchaîner avec une deuxième main? Regardez le maître à jouer, Gérard Gondran, là, le maître des jeux. Exactement.
l'expérience. Ah, c'est évidemment du bonheur hein, pour tous ses coéquipiers d'être avec cette science du jeu Gérard Gondran. On rappelle hein, plus de 50 ans passés sur les jeux. Gérard Gondran qui a été trois fois champion de France. Et voilà Gérard Gondran. Kevin Ducreux. Une autre génération, Kevin Ducreux, 29 ans. C'est sûr qu'à côté de Gérard, ça pourrait être son grand-père. Qui habite à Saint-Rambert. Une boule bien pointée, qui n'a pas repris. Qui est le seul rescapé de l'équipe de Bellegarde en Forêt cette année en Ligue Sport Boules et Mains. L'équipe de Fred Miotto. Et Bourg-Saint-Andéol a réduit le score face à Annecy, 9 à 5. Oui. Mathieu Bellier. Trop long, Mathieu Bellier. Ah oui. Mathieu Bellier qui a une sur deux hein, depuis le début de cette partie. Ah, ça va être un petit peu juste hein, pour la Ligue Sport Boules et Mains. Ouais, ouais, c'est un peu compliqué là, une sur deux. Pas sûr qu'il arrive à s'en sortir comme ça. T'as bien marre, lui, et au point et t'as un métronome. Hein. Oui, ouais, oui. 9 sur 10. Ouh là là. Ouais, c'est le but qui est parti. C'est pas mieux pour Baptiste. Bon, du coup, là, maintenant, on va aller le tirer, ce but, je pense. Logiquement. Ouais, pour sauver cette cinquième mène. C'est ça. Sauver les meubles. C'est ça, parce qu'il reste, il reste 4 boules encore à Lyon. Allez, c'est partir. Ah, c'est frappé ouais. Pour Baptiste. Bravo Baptiste Kotlarek qui annule cette cinquième mène. On reste avec ce score de 7 à 1 en faveur de Lyon face à la Côte-Saint-André. On revoit cette annulation réussie par Baptiste Kotlarek qui était notamment à 3 sur 5 au tir au but lors de la deuxième étape et qui permet à son équipe de rester en course toujours dans ce match face à Lyon. On revient dans quelques instants au pôle sportif Chazellois pour suivre la fin de ces troisièmes parties de groupe. A tout de suite. Bienvenue sur Tonic Radio comme chaque matin pour vous accompagner dans la région. Et tout de suite, un point complet sur l'actualité locale et sportive sur Tonic Radio. Tonic Radio, vous êtes les meilleurs. Tonic Radio, hit et pop music. Allez, retour au pôle sportif de Chazelles sur Lyon, où juste avant notre petite coupure pub, on a Baptiste Kotlarek, pardon, de la Côte-Saint-André qui a annulé le but à la main numéro 5. Vous faites ça tellement bien, Nathalie. À la main Fais attention, je vais bientôt prendre place. Je sais. Mais, vu tous les messages hein, sur les réseaux, je pense que vous allez bientôt prendre ma place. Hein. Je pense qu'un duo féminin va vite s'imposer. On a été contacté avec Florian. Hein. Je pense que oui, il y a un duo qui se dégage, ça c'est clair. Des professionnels et des non-professionnels. On ne pourrait pas faire sans toi, Cyril. 7 à 1, donc toujours pour Lyon. Vous le voyez que Saint-Vulbas mène 2-1 face à Lagnieu. 7 partout entre la Motte Servelex. 9 à 7 désormais.
pour la mode Servelex, si je ne dis pas de bêtises, sur le jeu numéro 3 face à Joyeuse. 12-2, c'est toujours pas terminé entre Nice et Maurienne Galibier. Plaine de Lin qui est menée 6-2 face à Bron. Génissieux qui mène 8-1 face à Aix-les-Bains. Annecy 9-5 face à Bourg-Saint-Andéol. Et puis 9-1 pour Genelard face à Fontaine. Voilà pour le moment les scores provisoires à un peu plus de 50 minutes de la fin du temps imparti. On rappelle tiens, le programme de la journée, Nathalie, avec à partir de 14h30 les demi-finales et les parties de classement que vous pourrez suivre en streaming. On aura l'occasion de commenter l'une des deux demi-finales, Nathalie, avec Jean-Claude Ferriol. Tout à fait. Et puis évidemment cette finale à suivre en direct sur Sport en France. C'est la grande nouveauté cette saison dans cette Ligue Sport Boulémain. Vous êtes nombreux, très très nombreux à être présents pour suivre ces finales sur Sport en France. Très nombreux également à nous suivre sur les différents réseaux de la Ligue Nationale Sport Boule, de la Fédération Française de Sport Boule sur Twitch aussi. N'hésitez pas à continuer à venir nous suivre. Ouais, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, me dit-on en régie sur Twitch. Peut-être la future génération du sport boule, on les a vus à l'œuvre hier. C'était chouette à voir l'école de sport boule de la Loire. On avait également l'école de sport boule de l'Arbrel qui était présente. Ouf, on est retombé c'est sur nos pattes. C'est voilà, bien, donc bien, avec ils des sont grands là. Champions aussi hier après-midi. Oui. Ici et franchement un vrai engouement et c'était très beau à voir tous ces jeunes sur ces jeux. Regardez ces tribunes pleines sur ce plan large qui vous est proposé avec ce public qui est au rendez-vous depuis hier soir, hier après-midi même, hein, ils sont venus très tôt pour voir en effet le tournoi, le gentleman qui était organisé par le club local, par l'AS Chazelle-Viricel et le pôle compétition Chazelle-Bellegarde en forêt. On espère qu'on aura autant d'engouement lors des prochaines étapes. On a été gâtés hein, jusqu'à présent. Lors des quatre premières étapes avec cette Ligue Sport Boulémain qui va s'accélérer, le calendrier qui s'accélère avec dès la semaine prochaine ce rendez-vous en Isère. On vous donne rendez-vous dans cette étape iséroise, la deuxième étape, la première des deux étapes iséroises, hein, puisque cette année la compétition s'achèvera à Aoste les 7 et 8 juin. Vous serez là, Nathalie ? Normalement, oui. Bon, c'est très bien, c'est une bonne nouvelle. C'est prévu comme ça. Et encore une belle reprise de Fabien Amar. Hein. Fabien Amar fait énormément de jeux devant. Très très bien pointé depuis le début. Pour l'instant, on contrôle les Génissieux qui s'envolent vers un deuxième succès. 12-1 désormais avec Aix-les-Bains. Ça se précise pour Génissieux qui va sans doute faire une très très belle opération hein, ce week-end avec sans doute 8 points déjà dans la besace et peut-être 2 supplémentaires cet après-midi en cas de victoire en match de classement. Tout à fait, c'est bien, c'est le démarrage. Ouais, mène de 4 points nous annonce Marc-Alexandre, le speaker depuis 1989, la voix du sport boule. Hein, Marc-Alexandre, qui avait commenté notamment le GDP Vendôme. Et cette Ligue Sport Boulémain. Joli carreau de Baptiste. Côte-Larec, qui récupère le trou de Mathieu Bellier. C'est parfait. Allez, on va tirer avec Eddie Chauvin. Ouais. Effectivement, parce qu'elle est prête, hein, cette boule.
Il semblait court. Bien encore que celle-ci, il ne l'avait pas levée. C'est court pour Eddy Chemarin. C'est un petit peu plus compliqué là pour les Lyonnais. Alors ils avaient fait une belle première heure. Et voilà, c'est fini. Hein. Nice qui vient de remporter. Qui vient de remporter sa partie. D'accord. Nice qui est donc le premier qualifié officiel, on va dire, hein, pour ses demi-finales. Victoire 13-2 dans son match face à Maurienne Galibier. Et les Niçois donc qui seront cet après-midi en demi-finale. Ça va sans doute être face à Lyon. Hein, belle demi-finale, Nice-Lyon. Que l'on pourra suivre. On va pas trop s'avancer non plus. Hein. Non. Mais partie n'est jamais terminée, ouais. Mais c'est bien avancé quand même. 13-2, hein, ça a été sans discussion. Cette victoire, nouvelle victoire, troisième victoire lyonnaise, hein, qui donc de niçoise, pardon, niçois qui ont désormais 16 points dans ce week-end, puisqu'ils ont remporté les 3 parties de groupe, 3 x 4, 12, plus les 4 points attribués à un premier de poule qui compte 3 victoires. Allez, on retrouve Xavier Majorel au tir. Xavier. Ouais, Xavier Majorel s'est bien tapé. Il y a toujours la poker face de Xavier Majorel. Là, on ne montre aucune émotion. Jamais. Difficilement lisible. Hein, dans... Tout est à l'intérieur avec Xavier. Un disciple de Bernard Cheviette. À nouveau frappé pour Baptiste. Allez, on va suivre le tir à venir de Kevin Ducreux. Dans cette fin de sixième main entre Lyon et la Côte-Saint-André. Et, magnifique quart allongé là, de Kevin Ducreux. Et on va suivre la dernière boule et ensuite on aura l'occasion de parler avec Sébastien Belay qui vient nous rejoindre. Fraîchement qualifié pour les demi-finales de cette quatrième étape avec Nice. Bonjour Sébastien qui apprécie le carreau là, de Kevin Ducreux. Qui ferait, j'en suis sûr, un très bon consultant, Sébastien Belay. Eh oui, pourquoi pas, dans un futur. Il a autre chose à faire. Pas trop proche, quand même. Il peut pas. Moi, je peux pas prendre sa place. Ah bah oui, donc, si, il peut pas prendre la mienne. Vous pourriez tous les deux, en fait, bientôt, Nathalie. Hein, non, Nathalie, elle a fait ça... À partir d'un certain âge. Ouais, t'as encore un petit peu de temps. J'espère quand même. Allez, on va suivre Xavier Majorel, qui a été exceptionnel pour l'instant à Lyon, et qui avait été exceptionnel et qui là aussi
emmène pour l'instant ces Lyonnais vers une nouvelle victoire dans cette quatrième étape. Voilà, belle reprise de Xavier. Bah après, si la Côte-Saint-André a le bonheur de frapper, ça permet de revenir au score. Ouais, on va suivre ce dernier. Alors, on est à l'écran, tout simplement. Regardez, voilà, tous les trois, notre petit trio qui est là. Ça va, Sébastien ? Impeccable. Ouais. Quand on a gagné, ça va. Ça bah va oui, toujours ça mieux. Va. Ça va bien pour Nice. On le disait ce matin, c'est peut-être le bon moment là pour Nice pour taper du poing sur la table, même si vous avez été souvent présent dans les étapes précédentes. Pour l'instant, il vous a manqué le petit truc pour aller au moins jusqu'en finale ouais. Et aller au bout. Exact. Après, c'est vrai qu'on a été au complet la première étape où on avait pu faire la demi. Ça s'en était pas fallu de grand chose, un peu plus de réussite, quelques boules jouées de plus, mais il n'y avait pas eu un écart énorme sur la partie. Donc, et après, effectivement, Fred Asensi que je salue et que j'embrasse d'ailleurs, voilà, c'est blessé. Donc, effectivement, on a été les deux étapes, enfin en tout cas l'étape de la dernière étape à l'accro, on a été un de moins, donc c'est vrai que c'était pas facile. Et à Saint-Vulbas, on était au complet également, mais là on aurait pu, en menant 11 à 3, on aurait pu passer et faire cette demi-finale. Alors, on a perdu cette partie contre Genlard, qui nous coûte un peu cher au niveau des points, parce qu'effectivement, c'est eux qui ont fait la demi et pas nous. Donc voilà, bon, il n'y a que l'étape de l'accro qu'on a un petit peu manqué. Mais sinon, dans l'ensemble, ça reste cohérent. On sent un énorme potentiel, hein, Nathalie, dans oui, cette équipe bah niçoise qui est prêt à sortir. On le sent, hein, qu'il vous manque pas grand-chose. Il vous manque tout simplement cette étape déclic pour aller ensuite enchaîner. Bah ouais, c'est un peu ça. Hein, clairement, après, souvent, quand on gagne, après, derrière, on enchaîne. Hein. On enchaîne, on prend de la confiance. Les autres équipes voient aussi que ça joue bien et souvent jouent un peu moins bien contre toi. Donc ça, c'est important de gagner un maximum de parties et quelque part faire moins bien jouer les autres aussi. Donc, ouais. Mais ça arrive que voilà, avec le temps, quand on gagne des parties, quand on a de la confiance, ça vient avec tout ça. Et quand on attaque moyenne à la saison, on fait pas forcément peur aux autres. Les autres jouent à plein contre nous. Et derrière, il faut faire des parties phénoménales pour traverser. Donc c'est vrai que voilà, là on va faire la demi, on va essayer de passer encore une marche supplémentaire et pourquoi pas d'aller chercher la victoire d'étape. Ouais, avec pourquoi pas une finale à 18h sur Sport en France en direct. On l'a vu, c'est facile pour personne. Annecy, le leader qui bataille, hein, aujourd'hui, qui ne va pas sortir une nouvelle fois du groupe pour la troisième étape consécutive, qui va rester aux portes parce que il y a du beau monde, hein. On l'a vu avec Genlard qui fait une très belle étape avec également cette équipe de Plaine de Lain qui, à l'arraché, est allée chercher encore sa place. Il y a du beau monde et c'est vrai qu'il ne vous manque pas grand-chose pour aller vous mêler à cette lutte, ce top 3, top 4. Il y a beaucoup plus d'équipes qui sont capables de bien jouer. Donc le niveau est plus resserré que par le passé, par il y a 4-5 ans de ça. Il y a beaucoup plus d'équipes qui sont capables de bien jouer. Il y a une dizaine d'équipes qui peuvent gagner une étape, chose que par le passé, c'était quand même un peu moins vrai. Il y avait surtout 3-4 équipes de costauds. Mmh. Et derrière, c'est vrai que voilà, ça dominait un petit peu et il y avait moins cet aspect-là. Aujourd'hui, il y a une dizaine d'équipes qui peuvent gagner une étape. Donc à partir de ce moment-là, quand toutes les équipes peuvent bien jouer, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile. Et voilà, il n'y a plus de domination comme on a connu par le passé, des dominations d'une saison, on gagnait 5-6 grands prix, c'est de moins en moins vrai et ça le sera, je pense, de moins en moins avec ce format aussi de 2 heures. Avant, on jouait en 2 heures et demie et la domination dans le temps, elle se faisait. Ouais. Aujourd'hui, en 2 heures, on a le malheur de manquer quelques mènes et ça y est, la partie elle est envolée, on n'a pas le temps d'y voir, quoi. Donc voilà, c'est aussi le format qui fait que ça a un petit peu resserré tout ça.
Ça a du bon, ça a du mauvais, mais en tout cas, ça permet de voir du spectacle. Bon, on vous voit aujourd'hui en rouge et noir. On vous a vu briller en bleu ciel. Vous n'êtes pas venu avec votre maillot de champion de France. Mais félicitations pour cette belle victoire encore avec Saint-Vulba. Quelle domination. On parlait de domination. 15 victoires, 15 matchs, 15 victoires en championnat de France des clubs pour à l'arrivée ce succès face à Ballarue-Clébin à domicile, à la maison. Ça, c'était une belle satisfaction aussi pour tout ce club. Clairement, c'était l'objectif, mais on a connu des saisons où on a dominé, où par le passé on n'a pas été champion de France, même si ça fait quelques années, que ça fait 3 ans je crois, 3 ans consécutivement qu'on gagne le titre, mais on a connu des saisons par le passé où on n'a pas dominé contre l'Acro, on a été champion de France, et inversement. Donc voilà, la finale, c'est ça, on remet tout à zéro et on joue toute la saison là-dessus, parce que clairement... D'être premier, c'est bien, mais d'être champion de France, c'est mieux. Et avec ce format-là, voilà, il y a une finale, donc il faut la jouer, et c'est pas le premier du classement qui est champion de France. Alors en course pour le championnat de France des clubs, en course en Ligue Sport Boulémain avec Nice, et puis également présent pour les championnats du monde à la maison à Saint-Vulba, dans cette équipe de France, avec cette sélection qui est tombée cette semaine. On imagine que c'est une grande satisfaction de faire partie de ce rendez-vous, d'avoir la confiance du sélectionneur aussi, et puis d'avoir des ambitions dans cette compétition. Bah bien sûr, carrément, le championnat étant à la maison, c'est vrai que les joueurs de Saint-Vulba avaient à cœur de participer à cet événement et de réussir les plus belles performances possibles. Il y a eu des résultats qui ont été très satisfaisants au championnat d'Europe, donc c'est vrai que on pouvait estimer qu'on avait nos chances, tous individuellement, donc de ce fait là c'est pas non plus une surprise qu'il y ait certaines choses qui ont été reconduites. Maintenant, tant que la sélection n'est pas annoncée, il faut toujours prouver tout au long de l'année qu'on est toujours aussi performant, qu'on est toujours capable de bien jouer, qu'on est toujours capable de gagner des titres. Et parfois, de saison en saison, c'est pas toujours le cas. Donc, une immense fierté de représenter la France à Saint-Vulba. Et puis, on va essayer de ramener un maximum de médailles possibles pour l'équipe de France. Vous serez aligné en simple et en double. Oui. Avec Julien Molager, on rappelle les autres internationaux qui sont donc retenus. Alexandre Chira, Fred Marsens, Sébastien Lévin-Marcon, votre collègue de Nice, Guillaume Abelfaux, avec Florian Amar. Oui. Avec Fabien Amar. C'est pas mal celui-là. Tu l'avais pas fait encore. C'est un joli mélange. Avec Florian Amar, les champions du monde qui vont remettre leur titre en jeu en relais mixte. Et puis Guillaume Abelfaux qui sera également avec Anaël Baradzouti en combiné mixte. Merci beaucoup en tout cas Sébastien d'être passé au micro. Merci à toi, puis félicitations pour tout ce qui se passe en ce moment pour toi. Quelle année. Et on te souhaite et on nous souhaite à Nice, alors, parce que moi vous faites partie de mon équipe favorite. Je sais. J'aimerais bien que vous alliez Mais comme a dit Seb Jarry, favori ne veut pas dire vainqueur. Exactement. Voilà. On vous souhaite en tout cas nous parce que pour l'instant c'est vrai que Nice n'a pas été au bout, mais à chaque fois qu'on a pu suivre vos parties on s'est régalé, beaucoup de spectacles toujours dans cette partie, votre flegme aussi Sébastien, aucune émotion, tranquille, et pour aller pour l'instant on vous trouve très tranquille pour l'instant. Oui, mais parce que ça c'est avec l'expérience, ça prend un peu de sagesse, mais ça boit l'intérieur. Ça intérieur aussi. Ça a pas toujours été le cas, donc voilà, on fait ce qu'on peut, mais c'est vrai qu'effectivement ça sert à rien parfois de montrer trop d'émotions et que l'adversaire en sache trop. Je pense que Monsieur Majorel en est un immense exemple. Exactement. Et voilà, lui c'est quelqu'un qui a su maintenir cette réputation, ce statut-là. On ne sait jamais si Xavier il est en forme ou il n'est pas en forme. On ne sait jamais s'il est content ou s'il n'est pas content. Donc voilà, on joue face à lui, pas forcément en fonction de sa forme du moment. On essaye de faire le jeu, mais alors que sur des joueurs qui montrent beaucoup plus d'émotion, on peut essayer de jouer sur d'autres aspects. Et je pense que Xavier est un modèle de ce point de vue-là, par exemple. Gérard Condron en fait partie aussi. Il y a des gens qui sont des modèles de ce point de vue-là, et il faut s'en servir. Merci beaucoup Sébastien, on vous retrouvera cet après-midi. On en profite encore pour passer un petit bonjour à Fred Asensier. C'était un très très bon rétablissement. Bonne fin de matinée, bon appétit, puis on se retrouve en pleine forme à 14h30. On espère. Pour les demi-finales, en attendant votre prochain adversaire qui pourrait être justement cette équipe lyonnaise.
Oui. Après, c'est vrai que dans la groupe, je sais pas bien comment. Je crois que voilà, la côte avait gagné une partie aussi. Donc ouais, selon comment ça se goupille à côté, c'est pas forcément tout fait. Je pense pour tout le monde, parce que la Croix a gagné d'un point, si je me trompe pas, la partie d'avant. Oui. Ils ont gagné assez largement peut-être hier, mais oui, en ils tout ont cas, gagné 13-2, je crois, hier soir. Ils ont gagné que d'un point la partie d'avant, donc. À suivre. Ouais, affaire à suivre. Merci beaucoup Sébastien, tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Bon appétit. Au revoir tout le monde. Voilà, on était avec Sébastien Belay, l'équipe niçoise, donc premier qualifié dans cette quatrième étape de la Ligue Sport Boulémain. Et très détendu, Sébastien Belay, hein, il peut être confiant. C'est vrai que cette année 2024 pour lui est exceptionnelle, hein, avec Saint-Vulbas, hein, avec les clubs, avec cette équipe niçoise où il y a une vraie puissance de feu. Et évidemment la qualification et les prochains championnats du monde à venir. C'est ça, et puis avec Saint-Vulbas ils ont encore la Coupe d'Europe. Oui. Il y a encore beaucoup d'échéances pour Sébastien. Effectivement. Et c'est vrai qu'il ne faut pas annoncer tout de suite Lyon en demi-finale, parce que la Côte-Saint-André, regardez, c'est vrai, hein, c'est vrai, ils sont en train de grappiller. On vient de voir encore un. Encore. Je suis désolée pour le encore, mais on vient de voir Xavier faire un trou. Et vous le voyez, 13-1 hein, pour Génissieux qui a remporté donc sa deuxième victoire pendant ce temps. Voilà, Bron qui mène toujours dans la plaine de l'Ain. Il semble que le score a évolué. Voilà, on est à 9-5. Et Xavier qui a annulé le but sur cette passe. Allez, 30 minutes encore dans ces troisième et dernière partie de groupe. Deux rencontres sont déjà terminées. Genelard n'est pas loin d'en finir avec Fontaine et de rejoindre également les demi-finales. Plaine de l'Ain, on le disait, qui est menée à 9-5 par Bron. Saint-Vulbas qui mène 7-1 face à Lagneux. Match nul pour l'instant entre Joyeuse et la Motte Servolex. On a aperçu le président du club de Joyeuse, hein, qui était venu là, Didier Malclès, pour commencer à préparer l'étape. Voilà, prendre un peu des informations et préparer les étapes. Enfin, les étapes. L'étape de Joyeuse du mois de mai. Connaître les menus préférés de Nathalie Bernard également. Alors, ça ne servira à rien parce que je ne serai pas présente. Ah, vous serez boudée par des choix. Non. C'est vrai que vous refusez d'aller en Ardèche, non, non, Nathalie. C'est pas que je refuse, mais c'est que... On a un week-end famille qui est prévu depuis de longues dates avec les parents, les enfants et les grands-parents. Donc voilà. Ça sera en Ardèche, à Joyeuse, le week-end familial. Eh ben non, ce sera en Bourgogne. Très bonne destination également. N'est-ce pas ? Allez, Gérard Gondran. Son équipe n'a pas abdiqué, elle peut encore espérer. Hein, Tout à fait. Il reste 30 minutes. On rappelle que si deux équipes seulement sont à égalité, hein, c'est au goal average, à la confrontation directe, hein, que se joue la première place. Hein. Et pour l'instant, dans ce groupe, Saint-Vulbas compte deux défaites et Lagneux. Il me semble que c'est pareil, non ? Compte également deux défaites. Donc c'est vraiment sur cette partie que se joue tout à fait. La qualification. Hein. On n'est même pas sur le goal average. Et on est bien dans ce boulodrome parce que dehors... Ouais, j'étais en train de dire, il me semble qu'il pleut. Il tombe des seaux d'eau autour... Il semble qu'on entend bien là sur... Sur cette structure métallique. Oui. Vous faites bien d'être tranquillement à la maison. Vous pouvez venir aussi au boulodrome. Il reste quelques places encore dans les tribunes pour venir sentir d'un peu plus près l'ambiance de cette Ligue Sport Boulémain.
Fabien Barre qui n'a pas repris, hein, qui est venu se coucher sur la boule de Gérard, qui pourtant est à 80 à peu près. Donc, il manque un petit peu de force peut-être pour Fabien sur cette première boule. Essayer de rectifier le tir tout de suite là sur la deuxième. Ah, c'est un petit peu plus difficile hein, pour Lyon là, qui peut-être se voyait déjà tranquillement qualifié là. C'est bien frappé pour Mathieu. Mathieu Bélier. Sa boule est restée dans le jeu. Ouais. Et je ne sais pas si... je ne sais pas. On est un peu loin. Vous ne savez pas. On est un peu loin. Je ne sais pas s'il y en a deux ou un. C'est ça que je voulais dire. D'accord. La mode Servelex qui ajoute un point qui met 10 à 9 désormais face à Joyeuse. Ah, ça avait pas manqué grand chose. Ouais. Bien d'être court là, Sylvain Biondi. On va aller mesurer cette boule là-haut là. Carreau de Mathieu qui compte peut-être finalement. Sylvain Biondi. Du coup, on va retourner pointer là du côté de Sylvain. On n'a pas fait la reprise. Hey, il faut que. Il y en a certainement deux, parce qu'on part pas tirer. Donc je pense que. Le carreau de Mathieu compte certainement. Il faut que la côte Saint-André y croit, hein, parce qu'il y a un coup à jouer. Et hein. Oui, là, c'est pas terminé. Cette fois-ci, ça va être repris. Ah, mais ils sont en avance hein, au niveau des boules, la côte Saint-André. Ah là, oui. Et c'est terminé. C'est terminé, oui. Apparemment, non ? Ou pas ? C'est pas du tout terminé encore entre Gémenard et Fontaine. J'avais vu des applaudissements, mais... Oui, c'est juste parce qu'il y avait une boule qui a été frappée, en fait, tout simplement. Une boule qui a été frappée, c'est celle de Mathieu Bélier qui a encore touché. Ouais, là. Mais alors il a... Non, il a bien tiré la boule de devant. Enfin, je sais même pas si c'est ça qu'il annonçait, mais. Non, c'était pas ça qu'il annonçait. Si, c'est ça. Donc il a tapé la boule de devant, mais il a pas fait le ciseau. Je pense que c'est sûrement ça ce qu'il tirait, mais il aurait peut-être espéré le ciseau. Du coup, on va retourner tirer. L'idée était pas mauvaise. Ah,
On a fait un trou du côté de Baptiste. Pendant ce temps, Bourg-Saint-Andéol revient tout doucement hein, face à Annecy, 10 à 9 seulement maintenant pour les Hauts-Savoyards. 10 à 9 également pour la Motte Servolex face à Joyeuse. Et 9-5 pour Bron face à Plaine de Lain. Du coup, on n'a pas frappé la boule Kittner, on a pointé, on n'a pas repris. Ouais, toujours 12 hein, pour Genelard face à Fontaine. Quoi qu'il arrive, ça va être très très compliqué hein, pour Fontaine en 20 minutes de rattraper 11 points. En revanche, pour la Côte-Saint-André, tout est possible, à condition maintenant de produire ouais, les forts. Ils avaient un petit avantage et ils n'en ont pas, ils en ont pas profité. Et maintenant, on tient la... Plaine de Lain qui grappille aussi, hein, qui recolle au score. Ils sont 8 à 9 maintenant. Allez, Xavier Majorel pour tenter la reprise. Et la reprise n'a pas été effectuée. Alors il est court, il est retombé là-bas sur la droite. Je pense que c'est le fait qu'il soit court, qu'il soit retombé. Du coup, on y retourne. Allez, on a mesuré Mathieu Bellier, on va... Ouais, mais je crois que
En fait, Kevin est parti jouer un peu vite, visiblement. Finalement, c'était pas repris. Et non, on va continuer à jouer. C'est loin d'être terminé, hein, cette partie-là. On voit les visages là. Pas simple, hein, il reste 2 boules contre 2. Allez, c'est Eddy qui va tenter faire la reprise. Ah, il est dans les boules devant. Oula, ouais, ça va être compliqué là. Alors, comme ça, au moins, il n'y a plus de suspense. Et oui, les sourcils froncés, on sent qu'on n'est pas dans le bon mood là, côté lyonnais. Non. On voit Xavier appuyer sur le poteau. Alors, quand même, quelque chose de très très rare. Je suis presque choqué, on va dire. Allez, deuxième tentative pour Eddy. Ça me paraît mieux. Ça reprit. C'est Baptiste qui va aller défendre le point. Ah, une boule d'avance hein, pour la Côte-Saint-André. Ah ouais, s'ils frappent tout de suite, ils ont l'occasion d'en rajouter un de plus et on revient au score à 7 à 6. Avant le dernier quart d'heure, ça serait un joli final hein, qui serait proposé. Tout à fait. On le disait hein, tout à l'heure, le tournant de la quatrième main, hein, il y avait 7-0 avec la possibilité Exactement. De basculer vers un avantage plus conséquent. Ou de voir la Côte-Saint-André se rapprocher, eh bien la Côte-Saint-André a marqué ce petit point qui l'a maintenu en ouais, vie. La Côte, depuis qu'ils ont tourné, là aussi, Baptiste avec Mathieu, ça va mieux côté tir. Et du coup, ça change la donne. Hein. Allez, on la suit cette boule de Kevin Ducreux. Est-ce qu'elle va compter? Est-ce qu'elle compte? Non. Allez, non, je crois pas. Il lui manque un petit tour. Ça sera un point quand même pour la Côte-Saint-André, hein, qui va revenir à 5 à 7 dans cette partie. Et à un quart d'heure de la fin, eh bien, suspense. Eh oui. Qui va aller affronter Nice? Eh ben, il va falloir attendre la fin du temps pour le savoir. De l'autre côté du tableau, Genlar, Plaine de Lin, c'est ce qui se dessine. Genlar, oui, Plaine de Lin, je ne dis pas de bêtises encore. Vous voyez que Plaine de Lin entre encore une fois en train de grappiller c'est ça. Du terrain. Pour revenir et pourquoi pas réaliser un parcours sans faute, ça sera important pour la course au classement général. Hein.
avec la possibilité de marquer des points supplémentaires, 4 points en cas de parcours sans faute, en plus de la première place. Ça peut compter à la fin. On sait que l'année dernière, le titre s'est joué sur l'ultime partie de la dernière finale avec deux équipes qui ont terminé avec le même nombre de points. Tous les points sont bons à prendre. Il ne faut rien laisser en route. Ah Gérard, c'est moche ça. Là. Non, mais à 13 minutes de la fin. Une boule qui se retrouve à plus d'un mètre. Ah, il s'en veut Gérard Gondrand. Allez, la tentative de reprise pour Fabien Amar qui normalement devrait pas être très compliqué pour quelqu'un comme lui. Allez, on va suivre Fabien Amar, boule importante là pour Lyon pour remettre son équipe là en bonne position. Là, c'est repris. C'est repris, mais... La boule n'est pas très jolie, mais on lui demande de reprendre sur la boule de l'adversaire. C'est ce qu'il a fait. Il y a encore de la place pour Gérard. Pas bien dans l'axe, elle est un petit peu retombée sur la gauche. Là, on se pose des questions du côté de Lyon. Là, on se dit, est-ce qu'on n'a pas un petit peu laissé... filer la partie quelques points importants. Du coup, c'est repris pour Gérard. Bien rectifié. Ah, il est pas content de sa première boule, Gérard. Il ressasse, il sait que ça va jouer à rien. Cette si on sait lire sur l'élève, je sais pas si vous avez compris ce qu'il a dit, mais moi j'ai compris. Il semble qu'il a dit un gros mot. Il a dit un gros mot. Il a laissé paraître un peu d'amertume, de regret. Ouais. Allez, bien joué, Eddy Chemarin. Bien frappé par Eddy. Importante cette boule et ce tir d'Eddy Chemarin à ce moment de la partie. Regard noir d'Eddy, plein de détermination. Allez, Kevin. Allez, très belle boule de Kevin. Bravo. On va tirer à nouveau pour Eddy Chemarin qui a touché sur son premier tir. Et regardez la relève là derrière Eddy Chemarin. On est venu voir les champions. On est venu les voir et on les apprécie. Et c'est à nouveau frappé. Bravo. Et vous pouvez vous faire... Kevin. Kevin est parti un peu en bas sur la droite. Un petit peu de manque de force, du coup. Et vous pouvez vous amuser, si vous voulez, sur notre compte Instagram là, pour pronostiquer si vous êtes plus pour... ou si vous pensez que c'est l'équipe de Lyon ou de la Côte-Saint-André qui va rejoindre Nice en demi-finale. Vous pouvez voter, Nathalie, si vous voulez. Je sais que vous êtes fan d'Instagram. Je suis trop concentré sur la fin de partie, je n'ai pas le temps d'aller voter.
Mathieu Bellier. Bien pointé là, Mathieu Bellier. Ouais, bravo. Très, très bien pointé, bravo. Très jolie boule. Ouais. Très jolie boule de Mathieu Bellier. Il y a apparemment une main supplémentaire encore. Hein. Ouais, on va aller faire une deuxième main hein, dans cette rencontre, on aura le temps. Oui. Mais l'important c'est là évidemment. Est-ce que Lyon va reprendre un peu d'avance souffle. Et de souffle, ouais. Parce que la côte Saint-André va se rapprocher. Deux parties hein, sont déjà terminées, vous le voyez, 13-2 pour Nice face à Maurienne Galibier, 13-1 pour Génicieux face à Aix-les-Bains. Xavier Majorel. Ah, ça passe à côté pour Xavier Majorel. Alors on voit que Joyeuse s'est bien fait remonter aussi, puisque maintenant il mène plus que 10-9. On voit que Plaine de Lin est passé devant Bron, finalement. Ils vont peut-être nous gagner les trois parties. Voilà. Après avoir couru. Puis, Annecy pour Saint-Andéol, c'est toujours aussi serré. Là, on traîne Annecy pour Saint-Andéol. On est pour une troisième place hein, dans ce groupe. Jouer une partie de classement importante, évidemment, pour les deux formations. Sylvain Biondi. Frappé pour Sylvain. Ah, dommage. Il court, Mathieu. Du coup, part au but. Oui. Un moment important là dans cette rencontre. Ah oui, ça lui donne une petite chance. C'est le moment pour Baptiste. Baptiste Côte-Larec pour annuler cette 9e main. Tir important et malheureusement pour Baptiste, ça sera court. Ça sera court là pour la côte Saint-André. Dans un moment important hein, dans cette rencontre entre la côte Saint-André et Lyon. C'était le moment de sauver un peu son équipe de cette mauvaise passe. Vous voyez les regards là, on est peut-être en train de comprendre que ça va être compliqué maintenant. Il reste une boule à jouer pour la côte Saint-André, trois boules pour Lyon qui a également le point sur le jeu numéro 1. Et c'est manqué à nouveau. Ouh là, c'était loin en plus. Hein. Ouh là 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 là. Essayer de tirer la boule, on va essayer de casser du poing, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, trois boules à jouer maintenant pour Lyon. C'est ça, point par terre. Ils peuvent prendre une bonne option là. Ah, il peut mettre 4 points, passer à 11, à 5 dans le meilleur des cas. À 4 minutes, ça serait un. Grand pas de fait vers les demi-finales. Oui, c'est sûr que derrière, ça va être compliqué pour la côte Saint-André. Saint-Bulba qui mène 7-2 sur le jeu voisin face à la Nieuve. Vous avez vu Christophe Viret au tir. Et on va lancer Fabien Amar évidemment pour ajouter un point supplémentaire.
Fabien Marc est à 12 sur 15. Ouais, Fabien Marc, très très bien pointé. Hein. Et ça fait un point de plus. Il n'allait pas passer, laisser passer cette occasion, non. Fabien Amar. Il est allé encourager Sylvain Biondi. C'est que c'est un moment déterminant maintenant, hein, parce que s'ils ajoutent là, ça sera très compliqué d'aller les chercher. Si Sylvain. Il reste une boule à Sylvain et une boule à Xavier, il me semble. Si les deux arrivent à engranger leurs points, la messe sera pas loin d'être dite. Et donc voilà pour Sylvain. Donc c'est l'accro, victoire de l'accro, hein, la côte serre la main, ils se sont dit allez c'est bon. Vous avez 6 points d'avance, on n'arrivera pas à revenir, donc on vous laisse la partie. Victoire donc 11 à 5 de Lyon face à la côte Saint-André. Lyon donc qui jouera la finale, la demi-finale, pardon, on va un petit peu vite en besogne. Nathalie, un petit peu quand même. Demi-finaliste donc Eddy Chaumarin, Fabien Amar, ce sera à 14h30 face à Nice. On attend évidemment les résultats. Vous avez vu que Genelard également s'est terminé avec cette victoire 12 à 1. Face à Fontaine, Genelard qui se qualifie également après un parcours sans faute dans un groupe qui était pourtant très compliqué, hein, l'équipe d'Anthony Percherancier, victoire hier soir 7 à 5 sur Annecy, victoire 13 à 9 sur Bourg-Saint-Andéol ce matin et puis nouvelle victoire 12 à 1 face à Fontaine. Ouais. Parcours parfait pour Genelard, parcours parfait pour Lyon également dans le groupe 2 avec victoire sur Lagneux hier soir 13 à 4, victoire ce matin pour les Lyonnais face à Saint-Vulbas 7 à 6. Et victoire donc là sous vos yeux il y a quelques instants, 11 à 5 face à la Côte-Saint-André, l'équipe de Gérard Gondran qui a quand même fait un très très beau parcours hein, ce week-end, mais il a encore manqué un petit truc aux Isérois pour aller chercher le dernier carré. Genelard donc qualifié également et Plaine de Lin, vous le voyez, qui mène désormais 10 à 9 et qui n'est pas loin aussi d'un parcours parfait dans ses matchs de groupe pour basculer quasiment en tête du classement général provisoire à l'issue de ces parties de groupe. Alors, vous le voyez, plan général, on joue encore sur le jeu numéro 2 entre Saint-Vulbas et Lagneux, alors qu'on est passé. Ouais, le temps est écoulé. On joue également sur le jeu numéro 3 entre la mode Servelex et Joyeuse. On joue sur le jeu numéro 4 entre Bron. Entre le jeu numéro 5 entre Bron et Plaine de Lin. Et on joue également entre Annecy et Bourg-Saint-Andéol pour éviter la cuillère de bois dans le dernier 10-10. Groupe. 10 partout. Et on voit Lagneux hein, qui a fait une jolie remontée là, sur le tir au but de Christophe Viret, la passe d'avant. Oui. Saint-Vulbas qui a du mal ce week-end à terminer ses parties, à aller jusqu'au bout hein, puisqu'il menait 7 à 2. Ils ont pris 4 points là, d'un seul coup. Et Bron là qui bataille hein, pour aller chercher sa première victoire. Ils le mériteraient les Brondillons hein, parce qu'ils ont fait la course en tête longtemps face à Plaine de Lin, mais les Team Monceli est solide. Solide mental de fer. Ah, bien tiré avec un carreau là pour David Gomez. On est nous avec l'équipe de Christophe Viret
On va laisser également tirer Bruno Chouvelon. Fait une petite lichette. Yes. Week-end compliqué hein, pour Joyeuse, qui est pas loin de repartir avec 0 points. Pour l'instant, mené 10 à 9. Voilà, vous avez pu voir l'écran, joli carreau de Fabien Coire là. Allez, l'équipe de Christophe Viret toujours à la lutte là avec Saint-Vulba. C'est ça ferraille également entre la Motte Servolex et Joyeuse. Bon, Saint-Andéol et Annecy 10 partout, vous voyez au fond. Elle a l'écran Clément Sève qui a manqué la boule. Et voilà, c'est fini. Victoire de Saint-Vulba, ouais, contre Lagneux. Saint-Vulba quand même. Qui s'impose. Alors, je ne sais pas au niveau du score ce que ça va donner. Mais on va attendre la confirmation du score. Voilà, Saint-Vulba donc qui s'impose, qui jouera les parties de classement. Lagneux, c'est terminé hein, pour Lagneux, ouais. Qui repart avec 0 points. Hein. Compliqué pour Lagneux là depuis quelques week-ends. L'équipe de Christophe Viret. C'est fini pour Joyeuse également qui s'incline face à la Motte Servolex. Joyeuse qui avait marqué beaucoup de points, qui avait été en demi-finale. Hein, à Lyon et qui retombe dans ses travers avec trois défaites dans ce groupe. Évidemment, l'absence de Romain Garnier hein, dans cette équipe a pesé lourd. On aura d'ailleurs cet après-midi Sébastien Dulac, le vice-président de la Ligue de National Sport Bowl, qui viendra à notre micro parler un peu de cette saison. Vous l'avez à l'écran, Sébastien Dulac. Voilà, c'est fini donc 10 à 9 pour la Motte Servolex face à Joyeuse. On attend la confirmation du score entre Saint-Vulba et Lagneux. Apparemment, on était à 8-6. Voilà, 8-6 le score pour Saint-Vulba
Lagneux. Et il nous reste encore une petite partie à jouer pour savoir si... On a deux parties. On a Plaine de Lin contre Bron et on a toujours Annecy contre... contre Bourg-Saint-Andéol. Oui, important, hein, évidemment, pour Annecy. 3 boules 3, points par terre pour Annecy. C'est frappé pour Julien Moulager. Julien Moulager, on le disait tout à l'heure avec... Sébastien Belay, qu'on retrouvera en équipe de France, en double, ouais, avec en Sébastien, double. À Saint-Vulbas, hein. Pour les championnats du monde. Très très joli double. Pour aller défendre les couleurs tricolores. Oula, c'est manqué là pour... très, une boule moche par contre là de Thierry Michel. Alors du côté là, de... il reste deux boules à Bron. Et à Bron. À Bron. Vous avez pris l'accent de Saint-Étienne, de la Loire. De la Loire, du coup, pour commenter cette partie. Et trois boules à la Plaine de Lin. Donc, du coup, on va envoyer Gérard Condreau, dit la légende, du côté de Saint-Vulbas, tirer la boule. Allez, Gérard Condreau au tir, vous l'avez sur ce plan large. Ouais, voilà, c'est frappé, bravo, on Gérard fait Condreau. Un petit carreau. Et de l'autre côté, on a Julien Moulager qui part tirer le but pour figer le score à 10-10. Et c'est non. Frappé, mais le but n'est pas sorti. Le but n'est pas sorti. Voilà. Du coup, ça va être compliqué pour Bourg-Saint-Andéol de s'en sortir. Et c'est une boule à Bourg-Saint-Andéol, au président de Bourg-Saint-Andéol qui est là aujourd'hui pour remplacer... Patrice Landreau. Et puis il reste deux boules du côté d'Annecy. On va suivre Enzo Patala. Ah, il est court, Enzo. Ah, ils vont peut-être s'en sortir encore. Ils vont peut-être bien s'en sortir encore, Plaine de Lin. Ouais. C'est le leitmotiv du week-end pour l'équipe Monceny, c'est je démarre doucement et je finis sur les chapeaux de roue. Et la mode Servolex Joyeuse qui s'est imposée, hein, face à la mode Servolex en fait. Hein, c'est une victoire de Joyeuse 10 à 11. Voilà, et donc victoire d'Annecy 11 à 10. Victoire d'Annecy 11 à 10. Enfin, je pense. Hein. Mis le score à jour. Une victoire importante pour Annecy pour aller chercher justement un match de classement. Et il nous manque ces derniers résultats que vous pouvez suivre avec ces dernières boules à jouer avec Gérard Condreau là, qui va reprendre magnifiquement le point pour la Plaine de Lin. Ça va être compliqué quand même aussi pour Bron de s'en sortir là. Il reste combien de boules du côté de Bron ? Il reste, c'est la dernière boule là. Pour Bron. Pour Bron, et il reste une boule après derrière. Il faut absolument évidemment toucher là pour. Avec une très très belle boule de Gérard Condreau. Là, faut pointer à la perfection. Hein. C'est pas mal envoyé. Aïe, dommage, il a croisé sa boule. Ça va être dur là. Et la victoire encore de Plaine de Lin qui s'en sort 11 à 9 dans cette partie. 11 à 9, ouais, c'est ça. 11 à 9 pour Plaine c'est de ça. Lin donc, qui jouera donc les demi-finales tout à l'heure à partir de 14h30. On se retrouve avec Nice-Lyon que vous pourrez suivre en fil rouge. Et l'autre demi-finale sera belle également entre Genelard et Plaine de Lin. Nathalie, tout on va fait. Se quitter. On se retrouve dans quelques instants avec également Jean-Claude Ferriol pour vous faire vivre à partir de 14h30 les demi-finales. Et n'oubliez pas, la finale sera à suivre à partir de 18h en direct sur Sport en France. Bon appétit à tous et à tout à l'heure. Bon appétit, à tout à l'heure.